Lorsqu'on tient une boutique d'occasion, on peut entendre des histoires qui défient toute logique. Les vieux objets transportent parfois des légendes inattendues et provoquent des drames que l'on ne soupçonnerait pas chez les personnes qui les possèdent. Johnny Hammer passe la majeure partie de sa journée dans son arrière-boutique à astiquer les dernières reliques qu'il a acquises. Vases de jade, bijoux, figurines en porcelaine, assiettes décoratives et parfois même quelques petits meubles. Elles sont nombreuses à venir lui apporter au compte-gouttes leurs objets chéris, les petites vieilles du quartier. Il faut dire qu'il leur fait une cour assidue. Une anecdote en appelle une autre et Johnny Hammer sait accorder l'attention qu'il convient, prêter une oreille attentive à ce passé en miettes qui est le leur, mais des miettes qui recèlent parfois des petits trésors. Dites-moi, Madame Holmes, si vous m'apportiez la paire de boucles d'oreilles de votre tante Alice pour que j'y jette un petit coup d'œil, je suis sûr qu'elle vaut son pesant d'or et que vous êtes loin de l'imaginer. Elle se montre rarement rétive à cette proposition. En général, elle s'empresse dès le lendemain de réapparaître dans la petite boutique en brandissant, dont ne sait quelle partie secrète de leur toilette, un bijou de famille ou bien de leur cabas, un objet précieux enrobé de papier journaux. Johnny Hammer se félicite souvent de bien savoir s'y prendre avec elle. Il lui en faudra toujours des petites vieilles pour que vive son modeste commerce. Car ce n'est pas en comptant sur son paresseux d'associé, Harry Walters, qu'il ferait beaucoup d'affaires. Ils se sont connus au régiment, et Harry se croit, pour cela, tout permis. Il n'entend pas le réveil sonner et rate l'heure d'ouverture du magasin, sans parler de la tournée des marchés qui l'escamote. Il en revient le plus souvent en bredouille. Une fois, il est même allé jusqu'à dire qu'on lui avait volé le vase chinois qu'il venait d'acheter. « Il a mis l'argent dans sa poche, s'est dit Johnny, pour emmener une de ses petites amies en week-end à la campagne, ou bien pour s'acheter une nouvelle chemise de soie. Mais quelle preuve pouvait-il avoir pour l'accuser ? Il tient quand même à conserver des relations respirables avec son ami. » Il lui a proposé naïvement de devenir son associé parce que Harry rêvait de gagner beaucoup d'argent chez un antiquaire. « Eh bien, tu peux commencer dès à présent en devenant mon associé. » « En effet, a-t-il répondu, aujourd'hui c'est une boutique d'occasion, mais dans quelques années, qui sait ?» Au début, il s'est montré très désireux d'apprendre. Mais au bout d'un an, Johnny Hammer a commencé à ne plus tellement dormir sur ses deux oreilles. Ses soupçons grandissent de jour en jour. Il lui semble, par de menus détails, que son ami le vole. Le rapport de comptabilité révèle que l'affaire marche de moins en moins bien et les comptes ne tombent plus justes depuis au moins 6 mois. Lorsqu'il en parle à Harry, celui-ci répond « Mais les vieilles nous font languir, il faudra les relancer chez elles. » Johnny hausse les épaules. Il sort de sa vieille blouse poussiéreuse le petit carnet sur lequel il comptabilise le nombre de visites de chacune d'elles, en notant scrupuleusement tous les objets en instance qu'elles lui ont promis. Le sablier de l'oncle Paul, le pupitre du petit Gilbert, la liste est longue, longue. « Tu te trompes, Harry. Elles sont plus généreuses que jamais. Je ne comprends pas. » Harry trouve toujours quelque chose à faire dans ces cas-là et laisse son ami en train de se ronger les ongles. Depuis quelque temps, il a même pris l'habitude de prendre des airs arrogants avec Johnny et de répondre d'une façon irritante aux questions qu'il lui pose. « Mais tu devrais t'habiller mieux et fréquenter un peu plus les femmes au lieu de passer ton temps à refaire les comptes et cirer des meubles. » Johnny laisse faire. Johnny a une nature conciliante, pourvu que Harry n'aille pas trop loin, mais ce matin, c'en est trop. Vraiment, c'en est trop. Voilà qu'il chasse les clients maintenant. Une pauvre vieille entre dans la boutique pour acheter un vase de 50 francs qui se trouve là, à l'aventure. Johnny, du fond de l'arrière-boutique, a entendu la cloche de la porte teintée, mais lorsqu'il arrive, Harry s'est déjà approché d'elle. Il fait mine alors de se retirer, mais reste et écoute. Peut-être va-t-il enfin le prendre en flagrant délit de vol. C'est facile, il suffit qu'il lui annonce un prix plus élevé que celui qu'ils avaient convenu ensemble et il empoche la différence.
Johnny n'a jamais été partisan de coller des étiquettes de prix sur les objets, non. Comme ça, ça oblige les gens à entrer dans la boutique pour demander. La petite dame s'attarde et hésite. Ça représente une somme pour elle, 50 francs. Et voilà qu'Harry se met à lui parler sur un ton hargneux, si bien qu'elle sort finalement toute honteuse de la boutique. Johnny débouche alors du petit corridor et pour la première fois, il réprimande Harry vertement. « Ah, tu as eu ce que tu voulais, hein? Elle ne reviendra plus jamais ici. »« Qu'est-ce que ça peut faire? Elle n'arrivait pas à se décider à dépenser 50 francs. À quoi bon perdre son temps avec des gens comme ça? Alors je t'en prie, Harry, je t'en prie. Cesse de prendre tes grands airs. » Cette vieille femme est venue ici avec l'intention de dépenser 50 francs. Le choix de ce vase avait pour elle autant d'importance qu'aurait eu pour une duchesse le choix d'un Ming. Par contre, je suis sûr que si ça avait été une belle et jeune femme, tu aurais pris tout ton temps. Et en plus, tu lui aurais fait un cadeau. Soudain, la cloche de la porte d'entrée tinte à nouveau aux oreilles des deux hommes. Un homme grand et habillé en marin pénètre dans la boutique. Il ne s'est pas rasé depuis plusieurs jours et dégage une forte odeur de whisky. Si Johnny avait rencontré un tel individu dans la rue, il aurait changé de trottoir pour l'éviter. Son instinct le pousserait à s'en débarrasser. Mais après la remarque qu'il vient de faire à Harry, que peut-il lui dire? Il veut au contraire lui donner une leçon. Et il avance vers le marin. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» De la poche de sa veste toute graisseuse, le marin sort une photo qu'il met sous le nez de Johnny. « Combien me donnerez-vous pour ça ?» La photo représente une statue de 16 cm environ, sculptée dans une pierre jaune. Il s'agit d'un homme accroupi, les jambes croisées, les mains sur les genoux et le buste bien droit. Il n'a pas de visage, la tête forme simplement un crâne. Cette statue, sculptée avec beaucoup de finesse, doit être l'œuvre d'un artisan chinois très habile. « Oh, c'est un horrible démon !» s'exclame Johnny. « Ouais, c'est vrai, il est affreux, mais il vaut de l'argent. »« Pour moi, observe Johnny, ça ne vaut pas grand-chose. D'où provient cette statue ?» Avant que le marin ne commence l'histoire de l'objet, Harry fait un signe à Johnny qu'il est l'heure de son déjeuner et quitte précipitamment la boutique. « Son nom est Cheng Yu, » reprend l'homme, « le dieu des pirates. Ce Cheng Yu glisse dans les airs à la recherche des hommes méchants. Lorsqu'il en découvre un, il fonce, invisible naturellement, et marque cet homme d'une tache verte. Cette tache verte, il l'a fait exclusivement sur les voleurs ou les assassins en puissance. Aussi, lorsque les pirates attaquaient un vaisseau, ils épargnaient tout homme porteur de cette tache verte et l'engageaient dans leur rang comme un des leurs. Johnny a entendu toutes sortes d'histoires dans son métier. Mais c'est bien la première fois qu'on lui en raconte une comme ça. Cet objet n'est manifestement pas comme les autres. Il ne s'inscrit pas dans une histoire de famille. Cependant, Johnny Hammer est terriblement intrigué. Le vieux marin a très bien pu inventer cette histoire, mais Johnny ne résiste pas à l'envie d'acheter l'objet, sans savoir encore très bien pourquoi. Il regarde l'homme qui attend que Johnny annonce son prix, et il réalise qu'il va peut-être enfin savoir si Harry est un voleur grâce à ce test de la marque verte. C'est un moyen sûr et définitif, après tout, qui lui coûtera peu d'efforts. Il suffira qu'il la lui mette entre les mains et le tour sera joué. Va-t-il pouvoir acheter la statue magique qui lui permettra enfin de prouver que Harry, son associé, n'est qu'un voleur? Johnny Hammer, propriétaire d'un magasin d'antiquités, soupçonne son associé, Harry Walters, de le voler. Johnny va-t-il aller jusqu'à acheter une statue magique qui lui dira si Harry en veut vraiment à son argent?
3 000 francs, lance Johnny à la tête du marin abasourdi, pensant être très généreux. Non mais vous plaisantez là. Je compte bien la vendre 20 fois plus cher. 20 000, c'est bien ce que ça vaut. Cette fois-ci, c'est à Johnny d'être frappé de stupeur. Mais vous n'y pensez pas. Cette statuette n'a aucune valeur. Elle ne se rattache à aucune tradition artistique précise. Cette statue a un pouvoir réel auquel les Chinois croient depuis des millénaires. Elle peut rendre des services incontestables. Imaginez un peu, si les policiers n'avaient pas un esprit aussi matérialiste, ce que ça pourrait faire gagner comme temps. Mais enfin, comment pouvez-vous tenir des propos pareils? Vous vous rendez compte à peu près quel genre de pratique dangereuse on arriverait? Il n'y a aucune preuve scientifique à ce que vous avancez. Johnny n'est pas tellement d'accord pour se servir de la statuette à un niveau national. Il trouve ça immoral, mais pour son usage personnel, alors là, c'est une autre histoire. Il l'essaierait bien volontiers sur Harry Walters. Le prix que lui en demande le marin en vaut-il la peine? Combien de sacrifices devra-t-il faire pour payer toute cette somme? L'homme en face de Johnny semble deviner son hésitation. Malgré ce qu'il vient de lui dire, le marin attend tranquillement au lieu de reprendre la photo. Ceci dit, reprend Johnny Hammer, il est vrai que cette statuette fait vivre une légende vieille de plusieurs millénaires. Je peux aller jusqu'à 10 000. Non, j'ai dit 20 000, répète le marin sans concession. Johnny comprend tout à coup à qui il a affaire. Il n'est pas du tout du genre à se laisser impressionner. Et sans plus tergiverser, il lui demande... Bon, alors, m'accorderiez-vous un crédit, alors? Un délai, sans plus, monsieur, pour que vous puissiez réunir la somme en liquide. Quelques gouttes de sueur perlent sur le front de Johnny. L'individu n'est vraiment pas commode. Dans sa tête défilent alors tous les biens personnels dont il va devoir se séparer. Les 4 chaises Napoléon III, l'armoire Louis XVI, plus la bibliothèque Charles X vont y passer. Bien. Mardi, j'aurai l'argent. Si vous voulez repasser, monsieur... Monsieur Lynx. Monsieur Lynx ôte sa casquette de marin, se gratte la tête et remet la photo dans sa poche. Je serai au rendez-vous mardi en 8 avec l'objet. Au revoir, monsieur. Johnny a fort à faire à présent pour réunir l'argent. S'il a enfin la preuve qu'Harry le vole, il saura quoi faire pour se débarrasser de lui plutôt que de rester dans une incertitude qu'il ronge. Il engagera alors une véritable enquête et le prendra en flagrant délit. Le mardi suivant, le marin est de retour comme prévu. Johnny s'est arrangé pour être seul un moment. Le globe qui recouvre la statue est volumineux. On la voit en transparence. Et c'est bien celle qui était sur la photo. Johnny Hammer lui tend les billets. L'homme se met à compter. Merci, monsieur. Y a le compte. Johnny prend à peine le temps de lui dire au revoir et il s'empare du globe pour le mettre en évidence sur le petit guéridon Art déco. Mon Dieu, qu'elle est laide, pense-t-il en reculant d'un pas pour la contempler. Puis, il regarde sa montre. Harry va bientôt revenir. Johnny va dans le petit vestiaire et prend soin de refermer la porte derrière lui. Dans le noir, il fait une petite prière. Enfin, la cloche de la porte a tinté. Il reconnaît le pas lent mais confiant de son associé qui s'arrête brusquement. Johnny entre-ouvre la porte juste pour y glisser un œil. Harry est debout devant la statue. Il l'entend dire à mi-voix « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là » Il s'en approche, se penche et ôte le globe pour se saisir de l'objet.
En un instant, Johnny est près de lui. « Oh, tu as les mains vertes! Regarde, tu as les mains vertes !»« J'avais raison !» s'écrie-t-il, le visage brusquement radieux, en s'emparant à son tour de Cheng Yu. Il embrasse sur son crâne tout lisse en le serrant très fort contre lui. Harry l'observe, stupéfait. Il ne l'a jamais vu aussi heureux. « J'ai peut-être les mains sales, mais ça vaut mieux que d'être tout barbouillé et tout vert comme tu l'es. Quand je te vois aussi dégoûtant, je me demande si j'ai bien fait de m'associer avec toi » soupire-t-il. Johnny lève les yeux et s'approche du miroir au-dessus de la cheminée. Il se met à trembler de rage. « Enfin, c'est pas possible !» bredouille-t-il. Il sait bien qu'il n'a pas toujours vendu sa marchandise à son juste prix, mais là, quand même, ce Cheng Yu exagère. De l'autre côté de la petite rue, juste en face, l'homme en habit de marin, adossé contre la vitrine du boulanger, se délecte de la scène qu'il est en train d'observer. Ah, ces statues qui déteignent, non seulement ça rapporte gros, mais en plus, c'est toujours aussi drôle, se dit-il en pouffant de rire. Vous n'ayez menti, Monsieur Hastings, dit doucement le lieutenant. Si doucement d'ailleurs que je ne comprends pas tout de suite ce qu'il dit. M'avançant sur ma chaise, je tente de rencontrer son regard. Il me semble grand, les cheveux ébouriffés, un sourire ironique aux lèvres, les yeux cernés. Il a environ mon âge, c'est-à-dire une quarantaine d'années. « Mais voyons, écoutez-moi, » dis-je en m'efforçant de paraître aussi indigné que possible. « Non, c'est à vous de nous écouter, » réplique-t-il sèchement. « Nous pouvons prouver que vous avez menti au moins sur deux points. Donc, Hastings, votre version pour nous expliquer la mort de votre femme cet après-midi s'est ratée. Votre alibi ne tient pas. » J'examine le motif du tapis bordeaux et vert que j'ai sous les pieds. Je cherche le courage pour lutter contre la certitude familière de l'échec, et au bout de quelques minutes, je me sens assez de force pour affirmer « Je ne vous ai rien dit d'autre que la vérité. » Aucun des deux policiers, ni le lieutenant Snyder, ni le lieutenant Corsi, ne daigne réagir. Nous sommes tous les trois dans le salon de mon appartement. Il est près de minuit. Je suis fatigué. Très fatigué et inquiet. Non, pas à cause de ce qu'on me reproche, non. Je n'ai pas encore réalisé que je peux fort bien être accusé du meurtre de ma femme. Le sergent Corsi se met à parler. C'est sa première intervention depuis que lui et son collègue sont arrivés une heure auparavant. Pourquoi ne pas nous raconter ce qui s'est vraiment passé ici ? Dites-nous ce que vous avez sur le cœur, Hastings. Ça vous soulagera. Je secoue la tête. Bon, allez, ça va, récapitulons. Intervient le lieutenant Snyder. Donc, vous rentrez chez vous un peu après 17 heures. Votre femme n'est pas dans l'appartement. Remarquant que la porte de service de la cuisine est ouverte, vous sortez sur la véranda. C'est là que vous apercevez le corps de votre femme étendu au pied de l'escalier de service. Vous descendez 4 à 4, mais une fois en bas, vous ne pouvez que constater sa mort. Mort que vous attribuez à sa chute. C'est bien ça. Je me passe la main sur le front. Mais tout ça, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois depuis votre arrivée. Mais vous persistez à m'interroger. C'est bien votre version des faits, Hastings, répète le lieutenant. Oui, c'est bien ça. Eh bien non, Hastings.
Votre histoire ne colle pas du tout. C'est à 16h30 et non à 17h quand vous avez pénétré dans l'immeuble. Écoutez, lieutenant, je peux me tromper légèrement sur l'heure. Ah, ouais. Une erreur d'une demi-heure, c'est pas si léger que ça. Hein? Donc, trouvant votre femme au pied de l'escalier de service, vous tenez comme établi qu'elle a fait une chute, c'est bien ça? J'approuve prudemment. Eh ben, ça non plus, ça colle pas, dit le sergent Corsi. Oui, bien sûr, elle est tombée, mais elle était déjà morte. Je laisse échapper. Comment? Mais oui, elle était morte quand on l'a poussée dans l'escalier. Et comment nous le savons, à votre avis? Intervient le lieutenant Snyder. Eh bien, le médecin légiste est formel. Votre femme a été étranglée, monsieur Hastings. Sa mort remonte au début de l'après-midi, vers 15h, c'est-à-dire plus de 2 heures avant le moment où vous dites avoir découvert son corps. Je sens de grosses gouttes de sueur perler sur mon visage. Je n'avais absolument pas pensé à ça. Mon affolement a été tel que je n'ai pas réfléchi à ce que je faisais. Je me suis contenté de traîner le corps de Marie hors de l'appartement et de tout disposer de façon à rendre plausible une mort accidentelle. Et surtout, je vous en prie, hein, épargnez-nous la version où on l'aurait tué dans la cour arrière, en bas de l'escalier. Car les gens qui habitent l'appartement du rez-de-chaussée, au-dessous de chez vous, monsieur et madame Brown, ont emprunté ce passage quelques minutes avant 17h. Ils auraient donc dû, normalement, enjamber le corps pour atteindre leur propre porte de service. Alors, monsieur Hastings, que dites-vous de ça? Je ne sais pas. Je cherche désespérément une échappatoire, mais mon cerveau me paraît complètement vide. Vous ne revenez pas sur votre déclaration, Hastings? Non, non, je vous ai dit la vérité. Comme vous voudrez. Les deux policiers se lèvent, puis le lieutenant Snyder me dit sur un ton solennel. Monsieur Hastings, je vous arrête pour le meurtre de votre femme, Marie Hastings. Je vous précise que vous pouvez prendre un avocat et que vous n'êtes tenu de faire aucune déclaration sans sa présence. Il continue de parler, mais je ne l'écoute plus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je n'ai jusqu'alors pas imaginé qu'on puisse me soupçonner d'avoir tué Marie. Complètement hébété, je laisse les deux policiers éteindre les lampes et fermer la porte d'entrée de l'appartement. Ils m'encadrent et nous descendons l'escalier. Pendant tout le trajet jusqu'au commissariat central, Corsi, qui partage avec moi la banquette arrière, ne cesse de me demander doucement « Pourquoi vous l'avez tué? Vous vous êtes disputé violemment ?» Je tourne la tête et le dévisage, sincèrement stupéfait. « Mais sergent, je n'ai pas tué Marie. Je l'aimais plus que tout au monde. Je l'adorais. Comment aurais-je pu et pourquoi ?» Au commissariat, je suis soumis à un interrogatoire très serré. Une question chasse l'autre. Ils cherchent à me piéger, à ce que mes réponses se contredisent. Je m'en tiens à la version des faits, admettant seulement avoir pu me tromper sur l'heure de mon retour à la maison. À une ou deux reprises, je remarque que le sergent Corsi me dévisage tout en fronçant les sourcils, exactement comme s'il tentait, mais en vain, de me faire comprendre quelque chose. C'est seulement vers 4h du matin que l'on finit par me conduire à la prison, où je suis enfermé, seul, dans une cellule. Bien que je sois à bout de force, je ne parviens pas à m'endormir. Assis sur le rebord métallique du bas-flanc, je reconstitue mentalement mon emploi du temps. Ma journée de travail a été pénible, comme d'habitude. J'ai vu successivement 2 hommes d'affaires pour leur proposer les services de mon agence de relations publiques. Je suis passablement abattu et déprimé quand je rentre à la maison. Après avoir refermé la porte, la première chose que je vois est le corps gisant de ma femme, Marie, au pied du sofa dans le salon. La masse noire de ses cheveux m'empêche de voir son visage. Je crois d'abord qu'elle est endormie. En m'agenouillant près d'elle, je remarque
qu'elle n'a sur elle qu'un déshabillé en dentelle anglaise que je ne l'ai pas vu porter depuis notre lune de miel, un an et demi auparavant. « Marie !» ai-je murmuré. « Marie, qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est alors que je vois son visage et les légères meurtrissures qui souillent la peau blanche de sa gorge. Ayant attrapé son poignet, j'essaie vainement de trouver son pouls. Mais elle est morte. Ce qui confirme sa chair froide au toucher. Pendant un long moment, je reste là, accroupi près d'elle, regardant fixement son visage si beau, même dans la mort. Sorti enfin de ma torpeur, suffisamment du moins pour balayer la pièce du regard, je ne remarque qu'une chaise renversée comme trace de lutte. Mais sur la table basse, il y a deux verres de vodka à moitié vide et un cendrier contenant quelques mégots. Ce ne sont pas mes cigarettes. Et Marie ne fumait pas. Je me relève, je traverse lentement la pièce en direction de notre chambre à coucher dont la porte est ouverte. Le matin, avant de partir, j'ai fait impeccablement le lit. Or, maintenant, il est défait. Oh non, non, non. Ai-je murmuré en secouant la tête. Non. Une foule de détails auxquels j'ai refusé d'attacher de l'importance au cours des derniers mois s'impose alors à moi. Les réponses évasives et les regards fuyants de Marie, le mouvement d'impatience qu'elle a eu en apprenant seulement la veille que je passerai la journée hors de la ville. Mais je n'ai pas voulu admettre que Marie ait pu avoir un autre homme dans sa vie. Je n'ai pas voulu admettre qu'elle est un amant. L'échec n'a cessé de couronner toutes mes entreprises, rien que des petites faillites agaçantes parce que minables. Et maintenant, après mes insuccès scolaires et professionnels, mon échec en tant qu'homme. Pourtant, mon Dieu, si j'avais admis être incapable de retenir ma femme, que me serait-il resté ? Rien. Absolument rien. M'étant rapproché du lit, j'ai alors rapidement arrangé les draps, recouvrant les oreillers et effaçant les plis les plus voyants. Puis, toujours dans un état de lucidité relative, je suis revenu dans le salon. Après avoir remis la chaise sur ses pieds, j'ai vidé et lavé le cendrier, puis les deux verres de vodka. J'ai enfin fouillé le reste de l'appartement, mais en ne trouvant rien d'anormal. Il ne reste plus que Marie. Je me suis agenouillé en disant « C'est ma faute, mon amour. C'est ma faute. Je te demande pardon. Mais je t'aimais pas assez, sans doute. » Puis, en dernier ressort, je l'ai prise dans mes bras et portée dehors, dans la petite véranda de derrière. Là, après m'être assuré qu'il n'y a personne en bas, dans la cour carrelée de briques, je me suis planté en haut de l'escalier et, fermant les yeux, j'ai laissé dégringoler son corps définitivement inerte. De retour dans l'appartement, j'ai appelé la police. Il y a eu un accident, je dis. Un terrible accident. Il est alors 17h15. Je ne me suis sincèrement pas aperçu que ça fait trois quarts d'heure que je suis rentré. La police est arrivée. Le lieutenant Snyder est en tête du cortège. Au début, lui et ses collègues sont très compréhensifs. Ils font peut-être semblant de croire ce que je leur raconte, à savoir que, une fois sur la véranda, Marie a dû, pour je ne sais quelle raison, perdre l'équilibre et tomber à la renverse dans l'escalier. Les policiers sont partis vers 19h. Je ne me rappelle toujours pas ce que j'ai fait ensuite, entre leur départ et la seconde visite de Snyder et Corsi. Il me semble que j'ai arpenté l'appartement silencieux, pénétrant à plusieurs reprises dans la chambre à coucher pour regarder le lit de nouveau bien arrangé. Mais je ne suis pas très sûr de ma mémoire.
Je suppose que j'ai dû essayer de me persuader que mon récit à la police était la stricte vérité et que le reste n'était que le fruit de mon imagination. Et surtout que, puisqu'il n'y a plus de preuves que Marie a passé l'après-midi là avec un homme, il ne s'est en définitive rien passé. Ce qui est étrange, c'est que je ne nourris aucune haine excessive ou fureur particulière envers l'homme qui, après avoir été son amant, a tué ma femme. Je n'ai d'ailleurs pas la moindre idée de son identité. C'est peut-être quelqu'un appartenant au passé de Marie ou même, pourquoi pas, quelqu'un que je connais et que je prenais pour un ami. En fait, je ne vois pas et, à vrai dire, je ne tiens pas particulièrement à savoir qui est ce quelqu'un. C'est la dernière pensée dont je me souviens avant de sombrer dans un sommeil agité sur la paillasse de ma cellule. On vient me chercher une heure plus tard. L'interrogatoire reprend. Au début, je m'efforce de répondre aux questions, mais bientôt je me contente de rester assis, les yeux dans le vague, dans cette pièce crasseuse et puante. Alors le lieutenant Snyder parle. Hastings, regardons les choses en face. De deux choses l'une, ou vous avez tué vous-même votre femme, ou bien vous essayez de couvrir son meurtrier. Mais dans les deux cas, vous êtes coupable. Comment vais-je réagir à une accusation aussi grave? Est-ce que je vais me justifier, lui redire encore une fois la vérité? Je pense que le lieutenant va être content de ma réaction. Oui, dis-je, me surprenant moi-même. Oui, oui, je suis coupable. Je suis coupable. Et maintenant, laissez-moi tranquille. Pendant la période de silence qui suit, mes yeux s'arrêtent sur le visage du sergent Corsi. Le regard qu'il pose sur moi, le même que la veille au soir, est celui de quelqu'un qui n'est pas convaincu, qui se creuse la tête pour essayer de comprendre. Mais cela ne m'inquiète pas outre mesure. Pour l'instant, je ne pense qu'à savourer pleinement la vague de soulagement qui m'envahit. Je suis coupable. Coupable d'avoir manqué de maturité, coupable d'avoir été plutôt grotesque, ridiculisé par une femme aimée à la folie. Et ça, pour moi, c'est pire que d'être accusé de meurtre. Après m'avoir permis de regagner ma cellule, on ne me dérange plus pendant plusieurs heures. Au moment de déjeuner, je me trouve suffisamment d'appétit pour faire honneur au plat froid qui m'est servi sur une assiette en fer blanc. Lorsque j'ai fini de manger, je bois à petite gorgée un café plutôt léger. Ensuite, je me sens presque, oui, presque bien. C'est difficile à expliquer. Comment est-ce qu'on peut être bien alors qu'on est inculpé pour meurtre et à peu près sûr de passer le restant de ses jours en prison, accusé d'un crime qu'on n'a pas commis, qu'il est impossible qu'on ait commis. Ma vie est foutue. Mes parents et les quelques amis que j'ai vont me mépriser. Des milliers, des millions de gens qui ne m'ont jamais vu et qui n'ont jamais entendu parler de moi vont se mettre à me haïr et à me maudire. Moi, l'assassin. Mais je sais qu'aucun d'entre eux n'ira jusqu'à se moquer de moi. Je le sais. Quant à ce que pense le véritable meurtrier, ouf, j'imagine que la recherche d'un moyen de sauver sa propre peau ne lui laisse guère le loisir de se moquer de moi. Voilà pourquoi, malgré tout, je sens qu'une certaine quiétude s'installe en moi. C'est vers la fin de la journée qu'on vient me chercher dans ma cellule. Le sergent Corsi veut me parler. Je voudrais vérifier un point avec vous, me dit-il.
J'observe son visage plutôt mince et au teint olivâtre. On m'avait dit être rentré chez vous vers 2h30 hier après-midi. Vous et Madame Hastings vous êtes disputés à propos d'argent. Elle désirait s'acheter un manteau de fourrure, c'est ça? Cette dispute vous a mis hors de vous, vous l'avez saisie à la gorge et vous l'avez étranglée. Et quand vous avez réalisé qu'elle était morte... Je me suis affolé. Je suis sorti en courant et j'ai roulé en voiture sans plus m'arrêter, jusqu'à ce que je trouve le moyen de m'en sortir au mieux. Ah. Et c'est ainsi que vous avez décidé de monter cette mise en scène de l'accident. Vous êtes figuré que c'était mieux que de prendre la fuite. C'est à peu près ça, Monsieur Hastings. J'approuve d'un signe de tête. Corsi ne m'en demande pas plus. Il se lève de ma paillasse et sort sans un mot. Ce qui s'est réellement passé? Eh bien, je suis encore en banlieue la veille à 14h30. Mon dernier rendez-vous s'est achevé aux alentours de 14h. Ensuite, je suis allé prendre une bière dans un bar où je suis resté près d'une heure à méditer. Mais c'est la première fois que je mets les pieds dans cet endroit, donc il n'y a aucune raison pour qu'on se souvienne de moi. Après la sortie du sergent Corsi, je hausse les épaules et je m'étends sur ma couchette. En attendant que le gardien m'apporte mon repas du soir, je me mets à penser à Marie. À Marie, si belle, si séduisante. J'ai peine à croire que je ne la reverrai plus jamais, que je ne tiendrai plus jamais dans mes bras son corps flexible. Oh mon Dieu, que je l'ai aimée. Et maintenant, elle est à moi pour toujours. D'une certaine façon, notre intimité est même plus grande qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Lentement, je me laisse retomber sur ma couchette. Je ferme les yeux. Et je vois Marie qui me sourit tendrement et qui s'approche de moi, les bras ouverts, les yeux brillants. La nuit s'écoule, puis la journée du lendemain, puis la nuit suivante. Personne ne m'approche en dehors du gardien qui m'apporte mes repas. Je commence à apprécier cette tranquillité que la prison est seule à pouvoir offrir. Je n'ai plus de décisions à prendre, plus de soucis professionnels ni de rendez-vous ratés. Même si je le voulais, je ne trouverais rien d'autre à faire dans aucun domaine. Je suis avec Marie pour toujours et je n'ai finalement aucune autre exigence. C'est presque avec plaisir que j'attends mon emprisonnement définitif. Le troisième jour de ma détention, après le déjeuner, deux policiers que je ne connais pas viennent me chercher. Ils se bornent à répondre à mes questions par des hochements de tête, mais ils ne me paraissent pas mal disposés envers moi. L'un d'eux ne cesse de sourire tout le temps qu'il nous faut pour aller au commissariat central. La lumière me blesse les yeux quand nous traversons la grande pelouse qui sépare les deux bâtiments. Le lieutenant Snyder est là pour m'accueillir. Son sourire est lugubre. Corsi est adossé au mur près de la porte. Snyder finit par parler. Le sergent Corsi a vérifié d'un peu plus près votre emploi du temps, Hastings. Au moment où on assassinait votre femme, il se trouve que vous étiez à l'auberge des Trois Chênes. Vous avez voulu acheter un paquet de cigarettes et la serveuse vous a dit d'aller les demander directement au comptoir. Le barman se souvient de vous parce que vous n'aviez qu'un billet de $20 et qu'il a été obligé d'aller faire de la monnaie. Je m'assois sur la chaise qui est derrière moi et j'enfouis mon visage dans mes mains. J'en déduis donc que si vous étiez dans cette auberge à 15 heures, vous ne pouvez pas être l'assassin de votre femme. Tama Derrick, ça vous dit quelque chose?
Je secoue la tête en silence. Thomas Derrick est le meurtrier de votre femme, après avoir été son amant. La vérité est dure à entendre, Hastings, n'est-ce pas? Je regarde loin, loin, par la fenêtre. Ce sentiment que je connais bien, ce sentiment de la défaite, m'envahit de nouveau. Je l'avais oublié pendant ces 3 jours passés en prison. Une fois de plus, j'ai échoué. Vous êtes libre, Hastings, déclare avec solennité le lieutenant Snyder. Vous devez votre salut au sergent Corsi. Hastings, vous aimiez votre femme comme j'aime la mienne, me dit le sergent Corsi. Quand vous m'avez dit que vous l'aviez tuée, je ne vous ai pas cru, tout simplement parce que, voyez-vous, moi, jamais je ne pourrais tuer ma femme. Mais il est vrai que ma femme ne me trompe pas. Je me dirige vers lui. Merci, sergent. Merci infiniment. Oh, pour votre femme, j'espère que vous n'aurez jamais à changer d'avis sur elle. Je le regarde avec insistance, en souhaitant qu'il ait le temps de sentir ma haine peser sur lui.